Luchon, c'est une vraie ville. C'est une ville où vous allez trouver tout, les commerces, les restaurants, le cinéma, vous allez trouver le musée, vous allez trouver la bibliothèque. Toutes ces choses qui permettent d'avoir une vie urbaine. Mais c'est aussi un endroit où je sens l'histoire parce que vous voyez la marque du temps sur les bâtiments. Si vous vous promenez dans Luchon, c'est important de lever les yeux, regarder cette belle architecture. Et toujours, d'un côté, de l'autre, à droite, à gauche, la montagne va surgir en arrière-plan. L'hiver, c'est le moment d'aller faire du ski. Hop, on prend les skis, on monte en 8 minutes par le téléporté, on arrive en haut du Cessiré. Il y a ce spectacle unique de tous les sommets des Pyrénées, en fait à 360 degrés. Et là, pour moi, ça n'est pas dévaler les pentes, mais c'est profiter de ce spectacle et faire entrer en moi la sérénité qu'il donne. La montagne l'été, c'est tout d'abord cette couleur, c'est le jaune. J'ai un petit endroit particulier que j'aime beaucoup derrière le col du Portillon. Imaginez, vous avez ce tapis jaune et vous avez ces petits poulains qui vont courir dans tous les sens. Et derrière, la montagne haute, forte, les hauts sommets, on a l'impression d'être les premiers. On est seul au monde et on est protégé par la montagne en même temps. Un autre endroit qui est magique, ce sont les lacs d'altitude. Il y a particulièrement cette randonnée qui va sur le lac Bleu, le lac Vert, le lac Charles. Comme le nom l'indique, la couleur de l'eau est différente. Moi, je peux passer des heures à regarder ces eaux-là. Ensuite, l'eau, vous pouvez l'avoir aussi comme récompense. C'est les thermes, Luchon formé bien-être. Quand j'ai fait une grande randonnée en montagne, une journée de ski un petit peu intense, c'est le moment où on va se ressourcer dans cette eau chaude, généreuse et qui vous donne le bien-être total. Le festival, bien sûr, que j'aime beaucoup, c'est le festival des créations télévisuelles de Luchon. De faire de Luchon un rendez-vous d'une industrie telle que l'audiovisuel et la télévision, c'est quelque chose d'important et qui montre bien cette connexion de la ville avec l'extérieur. Mais Luchon, ce sont beaucoup d'activités d'animation. Vous avez la très traditionnelle fête des fleurs, et vous avez des chars magnifiques, vous avez des orchestres, de la musique, les rues pleines de monde. C'est un événement qu'on ne peut pas manquer parce qu'il est traditionnel et très, très festif. C'est la beauté qui vous donne cette sérénité. Moi, je ressens une plénitude du paysage lui-même. À Luchon, c'est un bonheur qui est sans cesse renouvelé.